Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un HGLRC, le Racewhoop 30 Upgrade, nouvelle version tout simplement. Vous vous souvenez, on avait vu le Racewhoop 30 ensemble, avec les grosses ducts imprimées en espèce de TPU modifié, etc. On avait trouvé quelques petits défauts quand même, malgré que l'engin était intéressant. Là, on a évolué. Merci HGLRC, ils ne travaillent pas pour rien. Pendant que j'y suis, on verra très bientôt aussi, toujours de chez HGLRC. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Vous le savez, j'ai fait une petite vidéo sur Facebook avec Yacine qui testait son nouveau Vega Gravity 6 pouces qu'on verra certainement tout à l'heure, je pense. Donc très bientôt, on verra ensemble le nouveau Veron 35 CR Pusher de chez HGLRC aussi. Super petit joujou. Franchement, j'adore le concept. Il est original, il est beau, il est jaune et gris si on veut, il est tout jaune si on veut, il est jaune et noir, il est noir. On va pouvoir choisir. Tout est dans la boîte, vous verrez ça. Mais surtout, ouais, j'ai hâte de vraiment le tester. Pour l'instant, j'ai juste fait un petit maiden devant la maison, mais on ne l'a pas encore testé réellement. Donc très bientôt, on verra ça ensemble. Je vous parle vite fait, avant de commencer sur le Racewhoop, on va rester très peu de temps ici, on va vite aller voler. Je vous reparle du concours permanent. Bah oui, vous savez, j'avais fait les 4 cadeaux là, juste après la petite pause. Donc tous les cadeaux sont partis. Voilà, vous ne devriez pas tarder à les recevoir. J'ai tout envoyé jeudi. Et maintenant, c'est le temps du concours permanent qui reprend après la petite pause. Donc je vais mettre dans le concours permanent pour cette quinzaine. Donc tirage au sort, pas samedi prochain, mais samedi d'après. Je le lance aujourd'hui. Je le relance aujourd'hui. Je vais mettre la petite eShine EAT14 pour vous prouver que j'ai rien cassé lors de la sortie. J'ai même pas retiré les plastiques de protection. Ça fait bien moche là, regarde. Hop, t'as vu? T'as vu ou pas? Bref, donc je l'ai nettoyé vite fait. Hop, je finirai de la nettoyer bien sûr. Donc je l'ai pas abîmé du tout puisque j'avais même pas retiré le plastique de protection sur le dessus. J'ai fait une petite bidouille là pour pouvoir passer l'antenne. Comme je vous disais, fait un autre trou, passer l'antenne sur le dessus, comme ça on peut la retirer, elle est protégée et on a une bonne portée. Donc je vous offre cette petite eShine EAT14 au choix, bien sûr, avec un petit VASP de chez JLang. Un petit VASP que je n'avais pas testé parce qu'il avait des problèmes de carte de vol, je lui avais trouvé des défauts, donc je n'avais pas trouvé utile de vous en parler. Voilà. Donc maintenant, j'ai changé la carte de vol, il fonctionne bien. Donc je vous l'offre, vous aurez le choix pour le concours permanent. Non, entre la voiture et le petit drone FPV, bien sûr, le petit Toothpick. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, je vous remets le lien dans la vidéo dans laquelle j'explique comment fonctionne le concours permanent. Merci à tous. Aujourd'hui, on parle du petit Racewhoop, le nouveau Racewhoop. Donc, j'ai plus l'ancien, je ne l'avais pas conservé parce qu'il était plus utile à quelqu'un d'autre qu'à moi. Et donc, je ne peux pas faire le comparatif l'un à côté de l'autre, mais je me souviens exactement de tout et je vais vous expliquer les différences. On va voir ce qu'il y a dans la boîte tout de suite. Alors, un petit chose ici, c'est un espèce d'aileron en TPU qui va pouvoir se placer à la place du support caméra. Là, on a un support GoPro qui est fixé par ici deux petites vis avec une colonnette à l'intérieur et une vis supplémentaire qui traverse le châssis qui se prend en dessous. Et donc à la place de ce support GoPro, vous pouvez mettre ce petit aileron qui va permettre. J'aime bien, c'est qu'HGLRC, ils ont modifié tout ce que j'avais critiqué. Et peut-être d'autres également, mais en tout cas tout ce que j'avais critiqué, tout ce que j'avais trouvé moi de moyen, ils l'ont amélioré. Donc première chose que je disais, c'est que bon, c'est bien, c'est un CineWhoop, il est anti-crash, mais la batterie qui est dessus, elle était super exposée. Et bien, le fait d'avoir ce petit aileron ici va complètement protéger l'impact sur la batterie. Bon, pas sur les côtés, bien sûr, mais ça protège un impact direct sur la batterie. Ça va un petit peu amortir les chocs et lui donner un petit effet racé, tout simplement. Pour un racer, c'est pas mal. Mais donc, sinon, on a le support en TPU. Il sera livré avec le petit support directement installé sur le drone. J'ai une petite notice pour le FR Sky, puisque c'est le XM Plus que j'ai dessus. Alors, les caractéristiques sont exactement les mêmes. On a toujours la F722 Mini FC. On a toujours un ESC de 28A qui monte à 35A en pic. C'est toujours le VTX Zeus Nano qui monte à 350 mW. On avait vu que ça suffisait largement pour ce type d'appareil. Il existe bien sûr
en numérique, moi c'est la version analogique, et sur la version numérique c'est la Cadix Polar qui est installée. Moi j'ai la Cadix Rattel 2 et je suis bien content. Donc vous aurez un jeu d'hélice supplémentaire, ce sont des GemFan, toujours les mêmes, 76mm 5 en 5 pales. Et puis bien sûr le petit Fly Safe, le sens des moteurs pour installer les hélices, les petits autocollants Zeus Aeolus HGLRC. Vous aurez deux sangles pour la batterie, une ici et une qui est déjà sur le drone, et bien sûr un petit peu de visserie de rechange si besoin. Donc voilà pour ce que vous avez dans la boîte, c'est pas mal. Donc le petit engin en lui-même, le voilà. Alors qu'est-ce qui change en priorité? La première chose, c'est les ducts qu'ils ont changé. Pourquoi? Parce que je vous en avais parlé, donc ça c'est toujours en collaboration avec Frézillon, vous savez, celui qui, le concepteur de ce style de frame. Mais avec les ducts moulés, enfin les ducts imprimés qu'on avait avant, oui, c'était super résistant, c'est très difficile de casser les ducts, mais le gros défaut qu'on avait, c'était qu'en cas de collision un petit peu importante, bon, pas sur une collision indoor, mais sur une collision en extérieur, eh bien c'était super souple quand même, ça pouvait s'écraser et automatiquement ça pétait une hélice. Voilà. Donc sur tous les contacts, on va dire pratiquement, on avait une chance de casser une hélice, ou au moins une pale de l'hélice, ce qui fait qu'elle est morte. Là, ils ont réglé le problème, on n'est plus en TPU, on n'est plus en imprimé, j'ai envie de dire, on est en plastique composite moulé, directement injecté, ce qui fait qu'on a quelque chose, bah, non seulement de solide, ça c'est clair, mais en plus pas souple du tout, ça veut dire qu'il va falloir taper fort, je pense, pour soit casser la protection, soit venir suffisamment loin pour toucher une hélice, j'arrive même pas à la main, si vers le bas peut-être, mais en tout cas ici avec les renforts et le petit anneau supplémentaire qu'on n'avait pas sur l'ancien modèle, ici c'est très difficile d'écraser et de déformer tout simplement ces ducts. Donc première grosse évolution, les ducts, on va péter moins d'hélices, ça fait plaisir. Sinon, on va peser aussi 30 grammes de moins, on est aux environs des 300 grammes ici, alors qu'on était à 330 sur l'ancien. Donc là, c'est pareil, c'est grâce aux ducts qui sont d'un matériau différent. Petit changement également, ça, moi, j'avais pas trouvé de défaut. Avant, on avait directement l'antenne FPV qui sortait ici au cul, alors qu'ici, elle sort légèrement sur le dessus et elle a une protection en TPU. Donc là, on est vraiment hyper protégé. Moi je l'avais sur XM+, mais j'avais envie de le passer en ELRS, donc j'ai mis mon petit récepteur ELRS à l'intérieur et j'ai passé ma petite antenne ici pour pas qu'elle bouge, parce que les trous sont prévus pour du crossfire, alors que là le ELRS, l'antenne est plus fine. J'ai passé un petit tube d'antenne, le même tube que ça, dans le trou pour faire forcer dessus, et j'ai passé un riselant dans le tube d'antenne directement pour le maintenir en place. Et là, j'ai quelque chose de très résistant. J'ai un XT60 noir, je suis trop content. Donc j'ai laissé ça, même si ça sert plus à rien du coup, puisque j'ai plus les antennes dedans. Mais je trouve que ça finit mieux le petit engin. On a également un buzzer avec des LED à l'arrière qu'on n'avait pas non plus sur l'ancien. On n'a toujours pas de pattes d'atterrissage. Ça y est, ils m'ont réglé le problème sur le Veron 35CR. Je vous montre. Ah, je vous montre. Allez, je vous montre. Il y a un pad d'atterrissage ici. Ça fait plaisir. Ça, j'en avais parlé à Eric. Et ils sont vraiment super à l'écoute. Bref, j'ai collé moi mes petits pads d'atterrissage. Sinon, vous devrez vous poser sur le carbone ici et sur le TPU à l'arrière. Moi, je préfère me poser sur mes patins. La plaque carbone ne change pas en dessous et sur le dessus aussi. La seule chose qui change vraiment, c'est qu'ici, l'ancien s'arrêtait là. Là, et on avait le support caméra qui était pris dans un gros TPU fixe. Rappelez-vous, c'était un des défauts que je lui trouvais aussi, que tout le monde lui trouvait, c'est qu'on ne pouvait pas tilter la caméra, tout bêtement. Là, ils nous ont mis un montage carbone bien costaud, 3 mm d'épaisseur, toujours du bon carbone chez HGLRC, une petite colonnette de renfort sur le dessous, et donc la caméra qu'on va pouvoir régler de 0 jusqu'à 90 degrés pratiquement. Donc c'est un gros plus. Voilà, non seulement c'est super résistant puisqu'on est toujours légèrement en retrait par rapport au duct, mais maintenant on va pouvoir tilter sa cam comme on veut. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser en ciné-whoop comme en freestyle, tout simplement. Et on verra si ça change beaucoup au niveau du vol par rapport à l'ancien. Il était pas mal, mais il était un peu lourdeau. Là, la différence, c'est que je suis en 6S,
et l'autre était en 4S. Donc ça va faire un petit changement quand même. Alors comme je suis en 6S, les moteurs ne sont pas les mêmes, je crois que c'était du 3450 kV, là on a du 2800 kV, c'est toujours les mêmes moteurs, et donc voilà les évolutions. Les ducts, la caméra orientable ici, la petite antenne protégée, le buzzer avec les petits LED, voilà tous les changements qu'on a sur le nouveau RaceWhoop 30, et ben je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau des disponibilités, donc il est en analogique, en numérique, vous pouvez l'avoir de cette couleur arc-en-ciel qui font un peu penser au bonbon collier, c'est ce qu'on m'avait dit dans un commentaire, c'est vrai. Vous pouvez l'avoir aussi tout mauve, tout jaune, tout rose ou tout vert comme ça, ou également tout noir avec les mêmes ducts bien sûr. Le gros avantage aussi, c'est que les ducts se démontent indépendamment. Donc même si vous cassez, vous pouvez recommander des ducts. Vous avez toutes les pièces détachées disponibles sur le site HGLRC, bien sûr. Je vous mettrai moi les liens dans la description de chez HGLRC. Banggood ne l'a pas encore. Je crois qu'ils ont encore que l'ancien. Je vous mettrai un lien Banggood si jamais il est disponible. Au niveau des tarifs, on est à 248 €, je crois, pour la version PNP. Et 100 € de plus, environ 350 € pour la version numérique, aussi en PNP. Et après, bien sûr, bah, ça augmente selon le récepteur que vous choisirez. Donc 250, 350, voilà, pour simplifier les choses. Donc merci encore à tous ceux qui utilisent mes liens, vous savez que c'est comme ça que vous aidez ma chaîne. Bon, liker, ça fait super plaisir, ça aide ma chaîne à être devant sur YouTube, ça aide à la visibilité. Vous abonner, c'est encore mieux. Activer la petite cloche, alors là, c'est le summum, comme ça vous êtes prévenu à chaque fois. Mais ceux qui utilisent mes liens pour commander ou pour se rendre sur les sites, entre parenthèses, mon tableau de coupons et promos, qui est toujours dans la description, j'ai ajouté dans le tableau de coupons et promos, il y a quelques nouveautés hein, qui rentrent là régulièrement, mais j'ai ajouté tout en haut une bande aussi avec les sites partenaires avec lesquels je suis partenaire. Donc si vous voulez aller chez eFlight, chez Amazon, ne sais-je encore, AliExpress, etc., vous pouvez utiliser ces petits liens-là et vous aiderez ma chaîne automatiquement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Bah, il ne reste plus qu'à aller le tester, voir ce que ça donne, voir ce que ça vaut, voir si c'est solide. Donc on va retrouver Yacine au Gamélodrome et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Yep les amis, on se retrouve au Gamélodrome pour tester ce fameux petit RaceWhoop Upgrade, le RaceWhoop 30 Upgrade de chez HGLRC. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah, il manque quelqu'un. Ah oui, j'avais dit que je passais chercher Yacine. Bougez pas, je vais le chercher. Tada! Eh, ça a été vite. Eh, je suis un speed. Comment vas-tu mon Yaya? Ça va très bien. Ils sont drôles. Ça fait longtemps. Ils sont drôles, je suis mort de rire. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une petite vidéo ensemble. Ouais. On profite des jours de beau temps qui nous restent encore un petit peu. Et donc aujourd'hui, on va s'éclater avec ce petit RaceWhoop. Ton avis à première vue comme ça? C'est coloré. C'est coloré. J'ai dit dans ma vidéo au début, bonbons, ouais, les bonbons colliers. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à ça un petit peu. Mais ouais, petite innovation sympa, ouais, sur les ducts, parce que c'est vrai que c'était son premier gros problème. C'était relou de changer les hélices à chaque poc, on va dire, parce qu'il fallait pas forcément un gros crash. Donc on va faire ça aujourd'hui. On va se faire un petit vol à vue, bien sûr, un petit vol chacun en FPV. Alors, on en a parlé un petit peu avec Yacine, c'est un RaceWhoop, c'est pas un CrashWhoop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est prévu pour être résistant, c'est pas forcément prévu pour aller taper dans des murs, taper dans des arbres, même si ça peut arriver, même en bandeau, hein, on peut taper aussi. Mais c'est plus prévu pour aller RaceWhoop, pour aller taper des gates, des drapeaux, des choses qui sont un peu mobiles et qui encaissent un peu les chocs, qui amortissent un peu les chocs. Donc moi, aujourd'hui, mon but, c'est pas d'aller l'éclater contre un arbre. Ça m'intéresse pas spécialement. Non. Voilà, on sait que c'est rigide, ça c'est clair. Pour l'avoir en main, je vous assure que c'est beaucoup plus rigide que toutes les ducts qu'on peut trouver sur des CineWhoop, tout simplement. Donc ce sera pas aussi résistant que les ducts molles qu'on avait sur le RaceWhoop, mais il fallait trouver un compromis parce que changer une hélice à chaque crash, moi perso, ça me saoulait un petit peu. Donc non, voilà. Plus fin, ce que j'ai remarqué au niveau des ducts. Un petit peu plus fin. Mais ce plastique moulé, injecté, est donc beaucoup plus résistant. Et truc cool qu'il n'y avait pas sur la première version, tilt de caméra réglable sur pouvoir la frame tilter en carbone. Avec le support carbone, donc on est plutôt pas mal. J'ai pas mis le petit aileron, vous savez ce que ça donne, c'est clair. Là j'ai pas prévu de faire des gros crashs, donc j'ai pas besoin de protéger la batterie. J'ai laissé le petit support GoPro pour notre petite prise de vue finale. Yacine, tu nous montres ton petit truc, tu nous as fabriqué un truc. La nouveauté, bon, certains l'ont déjà vu. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je jette celui-là, j'en prends un autre. Et toi aussi t'as une nouveauté. Attends. Donc ouais, Vega Gravity en 6 pouces.
Donc, eh, beau gosse, hein. Dernier montage, franchement, très propre. Très beau gosse. Ton vendeur en plus, c'est. Un peu de pub, donc Frédéric Doche. Ouais, Fred Doche. Il t'a ajouté en plus les petits embouts qui font pas d'atterrissage. Pas d'atterrissage, ouais. Mais franchement, belle finition. Les TPU sont de super qualité. C'est vraiment super beau. Donc voilà, ton premier 6 pouces. Ouais. Donc on verra ce que ça donne, tout simplement. Vous le verrez peut-être. Dans l'outro, je vous mettrai une petite vidéo rapide de justement celui-ci qui vole. Parce qu'il vole, et ouais. Et je vous mettrai aussi dans l'outro en même temps un petit vol avec celui-là. Celui-là, c'est le Veyron 35 CR Pusher. Analogique, je rajoute analogique, comme ça le titre il fait 8 km de long. J'adore cet engin, je le surkiffe. Je ne l'ai pas encore piloté, juste en vol à vue vite fait devant chez moi, avec Yacine d'ailleurs, mais je le trouve génial. On en parlera très bientôt, donc le nouveau de chez AGLRC, et vous aurez une petite vidéo à vue dans la outro avec celui-ci, j'espère. Est-ce que tu parles de ce que tu as reçu à l'instant? Oh là là, tais-toi, je suis un gamin. Je viens de recevoir donc 12 jours de transport. Vous savez que je l'avais payé, donc ce n'est pas un cadeau qu'on m'a envoyé. J'ai reçu la DBX07 de chez ZD Racing. Elle est beaucoup plus belle en vrai qu'en photo, je vous assure. Même Yaya était sur le fion. Hein, t'étais sur le fion. Ah non, franchement, ouais. Hallucinant. Elle est magnifique. Je n'ai pas encore monté les roues. Je l'ai reçu là juste avant qu'on parte de la maison. Sans les roues, elle a déjà une gueule comme ça, donc avec et les roues. Ouais, ça, la vache qu'elle est belle, quoi. Je l'aurais payé 500€ ou 550€, j'aurais pas été déçu, rien que par l'esthétique. Donc j'espère juste que l'électronique, tout ça, ça suit. Ouais. Ses capacités seront au rendez-vous, tout simplement. Donc très bientôt, la DBX07, je vous assure, on va s'empresser de se faire un petit rush là-dessus. Donc voilà, c'est parti, on met des batteries, on va se faire un petit vol à vue, et juste après, on part en FPV, vous connaissez la musique. C'est ça. Let's go. Let's go. C'est parti. Pour un petit test en vol à vue, donc je reste en stabilisé, bien sûr. La flotte est prête, et comme disait Yacine, il y a du jaune sur chaque drone. C'est parti. Donc là, on est en 6S, donc toujours bruyant, évidemment. Ouais. Toujours bruyant, c'est clair. Alors, comme d'habitude, je teste la maniabilité, voir si tout répond bien. Et apparemment, tout répond bien. Donc, est-ce qu'on ne serait pas un petit test de punch? Le test habituel. Le test... Bon, 6S, normalement. Récurrent. Ça, on voit. C'est parti, dans 3. Donc là, c'est la 1250 mAh en 6S. Donc, 3, 2, 1. Ah, ça queen, hein. C'est joli, le petit bonbon collier en l'air. Ah, ça siffle, voilà, là, là, là. Il reste bien droit, hein. Ça marche, ça marche. C'est clair que ça marche. Bah, prévoyez les bouchons d'oreilles à proximité, quand même, hein, parce que ça siffle. C'est pas faux. Ok, bon allez, ça va pour le vol à vue, perso, ça me convient. Allez, on s'équipe. Yes. Donc c'est parti les amis, Yacine prend les commandes en premier, et il a une dessus, une Tatou 1300 mAh en 6S, bien sûr. Alors on sait que ça va être un peu lourdeau, hein, c'est clair. Je regarde juste quand ça réagit. Ok. Je suis en rates d'origine, en PID d'origine. Les rates, j'ai mis les miennes, hein, toujours. Vous aurez aussi mon bêta à la fin, dans la outro. Dis donc, il va y avoir plein de choses dans la outro. Ok, bon, ça va, ça a l'air de bien réagir. Hein. D'accord. C'est sûr qu'avec le 6S, on va juste avoir plus de pêche. T'enregistres le DVR, en fait? Oui, j'enregistre, ouais. Bien sûr. Tu crois que je suis allé clapper pour rigoler? Ouais, il n'y a pas de rebond. Donc, c'est vrai que le gros avantage de celui-ci, surtout en 6S, c'est qu'on va pouvoir même voler en 4S, je pense. D'ailleurs, j'ai emmené une 4S. Hein.
Donc je sais pas si je vous mettrai le DVR, mais je vous dirai au moins ce qu'il en est. Mais on va pouvoir s'en servir de CineWhoop, tout simplement pour de la cinématique. Et en même temps pouvoir taper un peu de freestyle. Alors monsieur qui consomme, regarde ta batterie. Ouais ouais, j'ai vu. Ah, je regardais juste. Non mais il n'y a pas de souci. Voilà, du coup c'est vrai qu'avec le tilt qu'on a, on n'avance pas très vite, ça va. Là on est à peu près à 30. Hein. Donc si je me mets à 20 throttle, ouais, ça descend un peu. Oui, à combien tu dois être pour maintenir, ouais. 24, 25 bon, entre 20, ouais, 27, 24, 25 je pense. 27 ouais. C'est trop. D'accord. Ok. Et après il réagit très bien sans forcément mettre trop de gaz. C'est vrai que ça c'est cool. En tout cas, oui, tu sens pas de rebond particulier. Non, il n'y a pas de rebond. Il y a très peu d'inertie, je trouve, par contre. Là, ça va. Pourtant, avec le poids qu'il fait. Sur ce mouvement-là, ça va. Alors après, c'est plus. Ce qu'il y a aussi, c'est que t'as pas beaucoup de tilt, hein, tu viens de le dire avec ta cam. Ouais. Ça veut dire que pour l'inertie, faut que tu penches un peu plus. Hein. C'est ça. Mais sinon, ouais, non, ça se manie bien. Hein. C'est sûr que c'est pas forcément le style de drone où on va faire beaucoup de figures au ras du sol parce qu'il va retomber plus vite qu'un. C'est ça, et en fait, ouais, c'est pas l'inertie, c'est plus ouais, sur les mouvements arrêtés comme ça. Bah, il a moins le plané. Voilà, il replane moins. Et mais du bien coup, sûr, c'est clair. Mais très précis, moi ça me va. Bon, déjà le Raysoup volait bien, hein. Il n'y avait pas de galère, je te dis, les seuls gros reproches, c'était ça, hein, c'était ces fameuses ducts souples, qui étaient, oui, indestructibles, mais qui nous faisaient changer les hélices trop souvent. Et là, on va éviter, si on peut, on va éviter de tomber dans l'air. Bah, si on tombe, on tombe, hein, mais c'est vrai que c'est un peu mouillé. C'est un peu humide, ouais. Ouais, ça va, allez, je pose à 3,6. Oh, bah, ouais, comme j'aime bien, ça remonte à 3,80 après. Bon, ça remonte un peu, allez, fais un petit passage derrière nous. Après tes batteries, je sais pas si elles sont récentes ou pas, est-ce qu'elles sont rodées? Ouais, elles sont bien rodées celles-là. Ouais. Non, hyper maniable. D'accord, bah, je vais te dire ça. Bah écoute, ouais, 3 minutes 35 de vol, avec toi qui consomme pas mal, c'est vrai que tu mets souvent du trot. Là, on va installer une 1400 mAh de chez Tatou, ma V4. Yes. Et on va voir si on augmente un peu le temps de vol. Donc là, on a vu 3 minutes 37. C'est plutôt voilà, correct. Avec un coup de... Avec un énervé. Ouais, vite fait. Yep, les loulous. Bon, j'ai installé la 1400. Hop, milliampères de chez Tatou, la V4. Donc, c'est parti. Hop. Let's go. Bon vol. Ouais, donc l'intérêt, ça va être aussi de gagner en autonomie en 4S. Ouais. Sur de la cinématique. C'est clair. Donc oui, là, on n'a pas beaucoup de tilt. Pousser un peu. Eh, ça fait longtemps, dis donc. J'avais oublié. J'ai oublié le plaisir. Tu prends le DVR, ouais. Ouais, bien sûr. Yes. Ouais, tout à l'heure, ouais, c'est pas la projection qui est difficile, c'est qu'il s'arrête vite, en fait. Il va bien se projeter. Ouais. Mais... Ah oui. Il s'arrêtera vite. C'est clair. C'est ça en fait. Ah, par contre, il est très péchu. Il est péchu, ouais. Ah, c'est très nerveux. C'est ce qui peut sauver de situations des fois. Pas beaucoup d'allonge, mais hyper nerveux sur la reprise de gaz. Le fait d'avoir de la pêche, ça sauve hein, souvent. Hein. Carrément. Quand c'est bien utilisé. Quand t'as le petit réflexe qu'il faut au bon moment. Et puis le fait qu'il soit un peu plus lourd, pareil, qu'il soit moins planant, ça te permet aussi, bah, ce que je viens de faire entre guillemets, t'arrives un petit peu haut sur un obstacle, il suffit que tu lâches un coup de throttle, hop, et tout de suite, ça te fait passer en dessous. C'est ça. Mais ouais, ça emmène. Hein. Ouais, pour la race, j'imagine, moi je suis pas moi non plus. Un adepte de la race, mais... Les spécialistes, je pense qu'ils feraient bien.
Par contre, ça couine, hein. Ouais, c'est bruyant, faut pas de voisins. Donc la caméra, hein, ratel 2, pas de mauvaise surprise. Bah non, on a l'habitude. Le VTX, bon là je suis en ELRS, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, si je l'ai passé en ELRS, si je vous l'ai dit en première partie de vidéo. Donc vraiment pas de soucis au niveau de la portée, on est tranquille. Et du coup, petite question, ouais, ELRS, tu sais à partir de niveau de ton RSSI, à combien, ou LQ, je sais pas, ça devient critique en oh là de, là 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 là, j'en sais rien, mais j'ai vu des tests où ils vont à 3 km en 25 milliwatts. Donc voilà. J'ai pas peur de ça, quoi. Moi, je sais que depuis que je suis en ELRS, je n'appuie jamais derrière le bouton pour passer en 100, 250 ou 500. Oui, d'accord. Je suis toujours en 25. Je l'ai fait une fois, mais ça m'a rien changé. Donc, c'est énorme, quoi. Mais il n'y a que les gens qui font du long range, hein, qui pourront vraiment tester ça, je pense. En tout cas, en 25 milliwatts, c'est bon pour le bandeau, c'est bon jusqu'à 1 km sans problème, voire plus. C'est vraiment très propre, quoi. Ouais, on peut faire de belles lignes. Et si tu testes un peu sur les changements d'angle rapides, là, en mode slalom? Comme si tu slalomais entre des gates, avec des petits coups de gaz. Ouais, il repart bien. Bon ben voilà. Et voilà, ça c'est du POC. La touchette qui montre que ça bon repart. Ben, j'ai bien poqué l'arbre, c'est clair. Et au bruit, t'as pas d'hélice pétée. Ah bah non, c'est clair. Avec l'autre version, je pense qu'on aurait eu une hélice. Oui, ça aurait suffi, je pense. Mm. Ah non, mais t'avais raison, hein. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de propre wash. Ah non, il est sans. C'est vraiment pas mal, hein. Et puis bah, ça donne confiance pour se faufiler, encore une fois, au même titre que le Race Whoop premier du nom. C'est vrai qu'on a moins peur de tenter des gaps. Oui, bah oui, oui. C'est le gros. C'est le hop, gros là, j'ai touché l'herbe, t'as vu? T'as tondu. J'ai tondu la pelouse. Bah, t'arrives à 5 minutes de vol, hein, quand même. 5 minutes. Ouais, je suis à 5 minutes 15 et je suis à 3,66. Franchement, c'est que du bonheur. Donc comme je disais, en 4S, si vous volez en cinématique, bon déjà en 6S, en cinématique, ça va vous donner 10 minutes de vol, je pense. En 4S, on peut avoir un peu plus. Hein. Même pas peur. J'ai un truc dans l'hélice. Ouais. T'entends? Oui, ouais, ouais. Je dois avoir une branche. T'as un petit bruit de frottement. Ouais, une branche ou une feuille, ouais. Faut que je regarde. Ouais, une feuille. C'est ça, j'ai une feuille coincée dans le duct. Une feuille sèche. Hop, j'enlève la feuille. Et on repart. Et je termine ma lipo. Yes. Bah t'auras tapé 6 minutes, hein, je pense. Hein. Ah bah je les ai, ouais. Je les ai, j'ai que le temps de vol qui s'affiche. Hein. Donc si je fais pause, si je coupe les moteurs, le temps s'arrête. Hein. Ouais, c'est pas ton temps de branchement. Ah non, non, c'est la différence avec là c'est le fly minute et l'autre c'est le on minute. C'est le timer numéro 1. Qui lui se lance dès que tu mets la batterie dans le drone. À côté, tiens. Mi-tapis.
Bon, alors mon Yaya, on va se faire une petite conclusion. On va faire rapide et je vais vous laisser sur quelques petites images, bien sûr. Tiens, je vais donner mon avis en premier, ça changera. Vas-y. Franchement, pas déçu du tout par rapport au premier du nom que j'avais testé. Alors, peut-être aussi parce que c'était un 4S et qu'il était plus lourd, donc moins d'autonomie. Là, je suis super content pour l'autonomie, franchement. Allez pas tourner avec des 1000 mAh. Franchement, il emmène du 1300, 1400 sans aucun souci. Donc c'est moi avec la 1004 que j'ai fait plus de 6 minutes et j'ai fait un peu le fou, donc en cinématique vous imaginez bien. Donc vraiment pas déçu du tout au niveau maniabilité, pilotage, puissance, etc. J'adore ce petit race whoop, je le préfère par rapport au premier. Et comme vous l'avez vu dans un des DVR, j'ai poké un arbre. Donc on a vu qu'on n'avait rien au niveau des hélices puisqu'on est rentré sans aucun problème. Et on a bien un petit souci quand même, regardez. Je pense que vous le verrez bien ici. À première vue, il n'y a pas de bobo. Mais ici, on a cassé un petit relais, là, un petit rond, tout simplement. Mais on n'a pas touché à la structure complète de l'engin. Et on n'a pas cassé de gros bras, bien sûr. Donc, ce n'était pas un choc à 80 km/h. Mais c'était quand même sur une reprise de gaz pour esquiver l'arbre. Donc, je sais qu'avec l'ancien race whoop, on changeait une hélice. Je pense aussi, ouais. Là, on changeait une hélice. Voilà, sur une gate, peut-être pas, mais sur un arbre, le rapport, surtout que c'est un engin qui est assez lourd, même si celui-ci fait 30 grammes de moins que le premier. Donc voilà, on a pété un petit morceau là. Donc, bah, je vais peut-être recommander un duct ou 4, des noirs peut-être. Mais sinon, bah, vous saurez que si par exemple, vous abîmez un petit peu trop un des ducts à l'avant, sachant que les arrières, généralement, prennent beaucoup moins de choc, surtout pas de choc frontal à l'arrière, ce serait malheureux, vous pouvez interchanger un duct, le prendre celui-ci pour le mettre sur l'arrière et prendre un de l'arrière pour le mettre devant. Donc, ça permet d'avoir un truc propre, nickel à l'avant, bien sûr. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je préfère ce système-là. Je préfère changer un duct après un gros crash. Voilà, ça voudra dire que sur l'autre, il y aurait eu aussi des dégâts de toute façon. Mais en tout cas, là, il est bien maniable. Moi, j'en suis super content. Mon Yaya, ton avis? Bah, moi, ce que je vois, pour rebondir sur ta percussion dans l'arbre, arrête de sauter. Bah, tu t'es monté sur amortisseur. Pour rebondir, ça, rebondir. Vas-y, excusez-moi. ton duct, ok, il a encaissé. T'as bien rebondi, ça t'a permis de continuer à voler. Oui, puis pas déséquilibré. T'as pas été déséquilibré. Non, c'est donc, intéressant. Donc. Après, t'as tapé à plat. Préférence aussi sur le support carbone de la caméra plutôt qu'un TPU. Ouais. L'avance c'était ça. Pour pouvoir tilter, ouais, bien pour sûr. Pour pouvoir tilter aussi. C'est clair. Et ouais, comme tu as dit, 6S sûrement ça amène un peu plus de maniabilité par rapport à la version 4S que tu avais eu. Ouais, plus de possibilités de reprise. Reprise, bien sûr. Facile à gérer en bas quand même à bas régime. Mm-hmm. Et en vol, pas de rebond, pas de trucs particuliers désagréables. Pas de gros défauts et aucune chauffe moteur. Je précise que ce soit sans la GoPro, avec une 1400 mAh, avec la GoPro. Mmh. Et là, j'avais dessus une 1050 mAh. Ouais, parce que c'était juste pour la petite, la petite full send, qui est pratiquement aussi lourd que la 1300 que tu m'as passé tout à l'heure. Et aucune chauffe moteur à l'avant, à l'arrière, nulle part. Donc, bien réglé, je pense. Pas de problème de filtration. Tout ça pour vous dire aussi vite fait que on a réglé le problème. Merci Julien Renault ouais. De m'avoir aidé. On a réglé le problème du Recon 7. C'était pas un problème de carte ni de gyro. Enfin si gyro, mais réglable dans les filtres. Donc je vous mettrai une petite incruste là, top tout de suite du réglage que m'a envoyé Julien Renault. Merci mon petit loulou, ça m'a fait super plaisir que tu me files un petit coup de main. Lui il étudie avec la black box et tout ça. Bref, voici ce qu'il m'a proposé. J'ai mis ça sur le Recon 7. Et maintenant en bipale, en tripale, en quadripale, en quinquipale, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Donc voilà, ceux qui hésitaient pour le Recon 7 à cause de ça, vous avez maintenant les bons réglages des filtres, j'insiste. Oui. Vous avez juste à changer les valeurs, essayez pas de bouger les sliders, vous changez les valeurs des filtres et ça vous met automatiquement sur les bons sliders. Problème résolu. Bref, conclusion. Pas beaucoup plus cher, pour moi ça va, il vaut son prix parce qu'il y a de l'évolution, il y a beaucoup d'évolution, c'est pas juste les ducts qui changent, il y a une grosse évolution, ils ont bien travaillé, le produit fonctionne bien, je vais pas le descendre, il n'y a pas de raison, franchement, il mérite une bonne note. Est-ce qu'on a un reproche à lui faire? Après, moi je suis, comme je dis, c'est pas notre utilité la race. C'est vrai qu'on teste pas dans les Nous, ça va être cinématique prise de vue, etc. Donc, ça peut être un bon compromis. Est-ce que ça peut être un avantage par rapport à un cinéma classique, par exemple?
Ouais, au niveau. D'avoir un race whoop. Au niveau rigidité. Au niveau rigidité, même portance, je sais pas, la façon dont c'est étudié. Je sais pas. Ça vaut un ciné whoop. Ça vaut un ciné whoop, surtout que celui-ci en 6S, bon, on a quand même une bonne autonomie. Voilà, donc ouais. On a de quoi faire de la belle prise de vue. Pour information, pour ceux qui ont vu là ou trop de ma dernière vidéo, où je suis allé tourner un peu à Hyper-U, la première image, celle où je suis sur le parking, est faite avec le race whoop. Et ensuite, quand je suis à l'intérieur du magasin, je suis avec le Veyron 30, le premier du nom. J'avais pas reçu encore le 35 CR. J'ai hâte. Donc voilà, ouais, ça fonctionne comme un ciné whoop, voilà. Sans aucun problème. Il aura moins d'autonomie qu'un ciné whoop, voilà, parce qu'il est un peu plus lourd, mais il est aussi beaucoup plus résistant, ça c'est clair. Donc voilà, on va finir là-dessus. Ouais. Merci mon Yaya pour ce petit test. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait plaisir, surtout une journée comme celle-ci, pas un brin de vent, du soleil, des gens qui nous écoutent, à part lui là qui écoute. Hey, t'écoutes un peu. Bref, donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, je vous laisse sur l'outro et les petites images de fin, ainsi que mon Beta Flight. Et nous on va se dépêcher et on va aller monter les roues sur la DBI 07 pour voir à quoi ça ressemble. Merci mon Yaya. De rien, merci à toi. À bientôt dans mes vidéos. Donc merci à tous d'avoir suivi, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.